Bon, j'espère que vous allez bien. Je profite là d'une petite pause de même pas 5 minutes où je peux discuter un petit peu avec vous. Enfin, discuter, je parle toute seule, donc c'est pas vraiment discuter. Mais après, il faut que j'aille sortir le chien avant d'aller chercher le petit, que je me grouille pour le déposer à Martial pour après enchaîner avec un coaching. Et voilà, bref. Donc pour vous faire un petit récap de ce qui se passe en ce moment là, parce qu'il y en a pas mal qui m'ont posé la question de pourquoi j'avais rendez-vous à la mairie la dernière fois pour faire une demande de place en crèche. C'est tout simplement en fait que on était censé déménager et que du coup mon assistante maternelle est trop loin par rapport à la nouvelle maison pour que je garde mon asthmat. Et du coup je recherche une autre personne pour garder mon fils à mi-temps. Puisque je voudrais continuer à le garder, la moitié de la semaine pour en profiter. Mais j'ai aussi besoin de vivre. Aussi, on devait déménager début juillet. Au final, il y a un petit contretemps par rapport à un litige avec les vendeurs. Donc, ça prend plus de temps que prévu. Franchement, je vous jure qu'on a la poisse avec l'immobilier, que ce soit pour la vente de notre maison ou pour l'achat de notre maison. On a toujours des problèmes. Alors franchement, j'espère pas investir dans l'immobilier si à chaque fois c'est la merde. Hein. Regarde ce que maman a acheté, mon fils. Waouh! C'est pas waouh, non. Tiens. Yeah! Ça te plaît? Bah, ça se met pas tout de suite. Faut les laver d'abord. Yeah. C'est une salopette! Une salopette de méga beau gosse! Et ça, c'est quoi? Vas-y. Vas-y. Tire. Oh. Ah. C'est quoi ça? Ça te plaît ou pas? Regarde. Waouh. C'est une petite combinaison. Pour celles qui cherchent des gigoteuses d'été, donc hyper légères, j'ai galéré à en trouver en 1836, du coup, puisque nous, la gigoteuse, c'est vraiment pour éviter qu'ils sortent du lit la nuit et ils préfèrent vraiment être dans un sac de couchage, quoi, que dans une turbulette. Et il est encore trop jeune pour la couette. Donc, du coup, j'en ai trouvé sur Petit Béguin, là, des vraiment très, très mims et toutes légères pour l'été. Ils font aussi des matelas allongés, hyper sympas, avec ça qui se change. Du coup, ça se scratch. Alors j'ai pris des petites chemises comme ça pour le matin, pour éviter de lui mettre un gilet. Elles sont hyper légères, c'est du gaze de coton, j'adore cette matière. J'ai pris des petites salopettes comme ça, pareil, hyper légères. Là ils ont sorti la collection l'été, elle est trop bien. C'est beaucoup plus léger en fait que le jean ou que le coton pur. Donc j'ai pris ça, j'ai pris des petites combis comme ça, pareil, en gaze de coton.
J'ai pris un petit chapeau, des petits ensembles, des petits shorts ultra légers, des petites combinaisons comme ça, courtes. Petit t-shirt, petit polo, les gigoteuses et le matin. Jaloux. Comment ça t'es jaloux toi? Regarde ce que t'as. Yeah.